2 Rois chapitre 2 à partir du verset 8 s'il vous plaît. Second Kings chapter 2. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 8. Second Kings chapter 2 verse 8. Allons au verset 7, voix. Let's go up to verse 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. And 50 men of the sons. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Now Elijah took his mantle, rolled it up as et ils passèrent tous deux à sec. And it was divided with this way and that, so that je prophétise sur vous. On dry ground. I prophesy on you. Je déclare que vous quittez ici avec un manteau. Amen. Chacun a un manteau ici maintenant. Amen. Il n'y aura pas de chemin fermé devant vous. Amen. Vous allez frapper le manteau. Amen. Le chemin va s'ouvrir. Amen. Vous allez frapper le manteau sur vos affaires. Amen. Le chemin va s'ouvrir. Amen. Par le manteau. Amen. Par la Amen. Vous allez frapper le manteau. Amen. Les portes ouvertes pour le travail. Amen. Seront ouvertes. Seront ouvertes. Seront ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez frapper le manteau. Amen. Dans ce domaine de la vie. Amen. Les portes seront ouvertes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verset 9. Verse 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, so it was, avant que soit enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, ask what may I do qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. I am taken away from you. Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. Élisée, Elisha, était le serviteur d'Élie. Was a servant of Elijah. And Elijah est sur le point de partir. He's at the verge of going. Parce que je parle sur le thème. I'm speaking on the theme. L'immortalité et l'avènement de Jésus. Immortality and the coming of Christ. L'immortalité. Immortality. Et l'avènement de Jésus. And the coming of Christ. Beaucoup de gens ne savent pas. Many do not know que dans cette même Bible que nous lisons, that in the same Bible that we read, il y a des gens qui n'ont pas vu la mort. There are people who didn't experience death. Ils sont allés au ciel tout droit. They went to heaven directly. Sans passer par le cercueil. Without passing through the grave. Sans passer par la morgue. Without passing through the mortuary. Lève-toi et dis, c'est mon partage. Say, it is my portion. Ah, beaucoup de gens n'acceptent pas. C'est une révélation difficile. Dis que c'est moi. Je refuse de mourir. Je suis immortel. I am immortal. Par la vie de Dieu en moi. The life of God in me. Par la vie éternelle. By the eternal life. Acclamez fort pour le Seigneur. And for the Lord. Elijah, demande ce que tu veux. Ask what we want. A dit la double portion de ton esprit. Double portion of your spirit. La double portion ici ne veut pas dire onction, non. The double portion does not mean two unction. Il s'agit. It means de la grâce. Grace. De la grâce. Of grace. Et de l'onction. An anointing. Ou l'onction du prophète supérieur. Of a superior prophet. C'est ce que ça veut dire. That is what it means. Il s'agit, it is about, de l'onction, anointing, de la puissance, power, du prophète supérieur, of a superior prophet. In typology, il s'agit de l'esprit de Dieu qui est venu sur nous lorsque Jésus a dit. It's about the spirit of God that came upon him. Dans le livre de Jean 14, 12. When Jesus said in John 14, il dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que j'ai faites. We'll do the work. Ils le feront même de plus grandes. They will do the greater. Parce
Tu dis qu'il est avantageux que je m'en aille. When he said it is better for me to go. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Because if I don't go, the comforter will not come. Le mot grec c'est allos parakletos. The Greek word is allos parakletos. Un autre exactement comme Jésus. Another one are identical. Il dit c'est avantageux. Il dit si je pars, if I go, il va venir. You will come. Il ne sera pas à côté de vous. You will not be beside you. Il sera en vous. You'll be in you. Un autre faiseur de miracles. Un autre releveur de paralytiques. Un autre guérisseur des aveugles. Il dit si je pars, il va venir. Un autre marcheur sur les eaux. Il dit si je pars, il va venir. Et il habitera en vous. Ça c'était un peu en typologie. Une préfiguration de ce que Jésus a. Il est avantageux que je m'en aille. It's better for me to go. Il faut que je parte. I have to go. Parce que je vais I'll pray the Father. Père va vous envoyer. He will send to you. Los Paracletos. C'est-à-dire un autre exactement comme moi, identique. Another one identical. Un autre, la même personne qui transforme de l'eau en vin. The same person. Un autre ressuscité des morts. Mais dit, lorsqu'il viendra, il ne sera pas à côté de vous. Mais il sera en vous. Pour que vous puissiez faire de grandes œuvres. Pour que vous puissiez relever les paralytiques. Pour que vous puissiez quitter les morts. Amen. C'est ce que ça veut dire. Yes, sir. That is what it means. C'est ce que Élisée a demandé. Yes, sir. That is what Elisha asked for. L'onction et l'esprit du prophète supérieur. Anointing and the spirit of the superior prophet. Verset 10. Verse 10. Et il dit, tu demandes une chose difficile. So he said, mais si tu me vois pendant que je serai en éveil, nevertheless, if you see cela me, t'arrivera ainsi, sinon you, cela ne t'arrivera. It shall be so for you. But si tu me vois, if you see me, si tu me vois, if you see me, Kézar, ou Scopio, yes, vois avec les yeux du prophète, seeing with the eyes of the prophet. En d'autres termes, in other words, si tu vois ce que je suis, if you see what I am. Si tu cesses de me voir avec les yeux physiques, if you stop seeing at me with et tu me vois avec les yeux de l'esprit, and you look at me with spiritual eyes, et tu me vois avec les yeux de la révélation, and you see me with the eyes of revelation, de la personne de Dieu, du manteau, of the mantle, c'est pas maintenant, that you will receive now. Et tu, ce n'est pas difficile. It's not difficult. Pourvu que tu, only if you see. As-tu vu? Have you seen? Qui est un homme de Dieu pour toi? Who is a man of God for you? As-tu vu? Have you seen? Qui est un homme de Dieu pour toi? Who is a man of God for you? Et l'onction qu'il porte. And the anointing he carries. Qui est un homme de Dieu selon toi, bien-aimé? En cette génération où les hommes de Dieu sont méprisés, crachés sur le visage, piétinés et dénigrés, blasphémé. Qui est un homme de Dieu selon toi? Si tu me vois. If you see me. Si tu me vois. If you see me. As-tu vu? Have you seen? L'onction ne vient pas comme ça. Anointing does not come like that. Ce n'est pas par l'imposition des mains. Not by laying of hands. As-tu vu? Have you seen? Élisée, tu as Élie dit à Élisée. Elijah said to Elisha. Ce n'est pas difficile. It isn't difficult. Que mon manteau tombe sur toi. That my mantle falls on you. Et la condition. But the condition. Si tu me vois. If you see me. M'as-tu vu avec les yeux du mépris? Did you look at cette me? Cette tension. With eyes of despise. That les yeux de la familiarité. With eyes of familiarity. M'as-tu vu avec les yeux de la rébellion? Have you looked at me with the eyes of rebellion? Si tu me vois. If you see me. C'est pas difficile. It isn't difficult. Si tu me vois. If you see me. Selon toi, qui est un homme de Dieu pour toi? According to you, who is a man of God? Qu'est-ce que l'onction qui porte pour toi? What is the anointing that it bears for you? As-tu vu? Have you seen? As-tu, si tu ne vois pas. If you don't see, tu n'en as pas. You won't have. Si tu vois, but if you see, tu auras.
you will receive. Mm. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. But if not, it shall not be so. Était le serviteur d'Élie. Elisha was a servant of Elijah. Et si vous lisez toute la marche d'Élisée avec Élie, and if you observe all the journey of Elijah with Elijah, Élisée était si violent que normalement you notice that Elijah le manteau that the mantle devait n'importe comment tomber sur lui. Must only and surely fall upon him. Très fidèle. Very faithful. Un autre jour, pendant que il y a un problème et on cherchait celui-là qui devait apporter la solution, quelqu'un a dit, il y a ici Élisée qui versait de l'eau. Elisha who was pouring water into the hands of Elijah. Y a-t-il encore les Élisées aujourd'hui? Can we still find Elisha today? Est-ce qu'on peut les retrouver en cette génération? Can we find them in this generation? Les vrais Élisées. True Elishas. Est-ce qu'on peut les retrouver? Can we find encore them? Aujourd'hui? Can we still find y a-t-il qui versait de l'eau? There is Elisha here. And who was pouring water? Y a-t-il encore les Élisées? Are there still Elishas? Où sont les Élisées de cette génération? Where are the Elishas of this generation? Tu peux donner pour sous-titre de notre grand titre. Où sont les Élisées de cette génération? Where are the Elishas of this generation? Élisée ne pas fiston. Elijah il y a une condition, si tu me vois. But or not, there's a condition, if you see me. En fait, durant la vie et le ministère d'Élisée avait été déjà très fidèle. Et il suivait Élisée pas sur pas. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Élie l'a testé plusieurs fois. Elijah put him to test. Le test de l'humilité. The test of humility. Il y a plusieurs tests avec lequel on peut connaître que l'enfant si a l'esprit de Élisée peut être non Élisée. That this child can be Elijah. Un, le test de la soumission. One, the test of submission. Tu calcules bien quelque chose que tu sais qui va discuter. Tu le testes. You really look at something that you will argue, debate. Le test de la soumission. The test of submission. Le test de l'humilité. The test of humility. Le test du respect des instructions. The test of respect. Avec ça, alors tu arrêtes plusieurs personnes. Connais. Que celui-ci est un traître. Celui-ci c'est Géasi. C'est Géasi. You know that this one is a betrayer. Même comme Géasi. Il ou elle, if ils sont en train de faire comme Élisée. Élisée, ce sont les Géasi. They are Géasi. Avec le reste. Les instructions, le respect, tu donnes les instructions, tu vas rapidement savoir. You give instructions, you will quickly notice. Même à l'église, even in vous qui dirigez l'église, you would rassemble les gens, donne les instructions, pas. Give instructions and go. À revenir connaître les Géasi. You will come and notice Géasis. Les Géasi. Géasis. Celui-là que la lèpre l'avait enrobé, vous connaissez. The one leprosy came upon. Élisée ou bien es-tu Géasi? Are you Elisha or are you Géasi? Si tu me vois, if you see me, si tu me vois, if you see me, as-tu vu? Have you seen? As-tu découvert? Qui est un homme de Dieu? Who is a man of God to you? Qui est ton prophète, ton apôtre? Who is your prophet, your apostle? L'as-tu vu avec les yeux du mépris? Did you look at him with despising? Les yeux de la rébellion? With rebellious eyes? Les yeux de la familiarité? With familiar eyes? As-tu vu? Verset 11. Verse 11. Comme il continuait en parlant, then it happened as they continued on. Voici un char de feu et des cheveux et des chevaux de feu les séparait l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. That suddenly a chariot of fire appeared with horses. Tenez-moi, fire
person. As he presented the two of them. Vous pensez que c'est l'amusement? Ça s'est vraiment passé. It happened. Tenez-moi votre attention. Let me have your attention. J'étais dans ma chambre. I was in my bedroom. Et Dieu vice champion. Je lui ai demandé un service. I asked for a service. Il m'a rendu le service. And he rendered the service. Après, je lui ai demandé que quand je t'ai demandé de faire champion, est-ce que tu as déjà fait? Il me dit, oui, papa. I said, champion, have you done what? Et je me suis rappelé que j'étais en train de suivre la parole de Dieu. And I remember that et I was gloire de Dieu. And the glory of God était très fort. Was powerful. Et je parlais en langue et je me perdais d'esprit. And I was speaking in tongues and I was lost. J'ai constaté que pendant qu'il me rendait ce service, j'étais ivre de l'esprit de Dieu. Perdu dans l'esprit de Dieu. I was drunk of the spirit of God. I lost the spirit of God. Ça s'est passé ce jour-ci au moins quatre fois. It happened these days four times. Avant que je me suis rappelé. Quelquefois, eu l'expérience d'aller au ciel directement sans passer par la morgue. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que tu es rempli du Saint-Esprit, dans l'esprit, tu n'as plus ça, ton corps, ça veut dire que si tu peux aller. It means if you can, if you joke, non, vous n'avez pas. Si tu t'amuses. If you joke, tu peux percer le plafond surnaturellement. You can burst the roof. Parce que tu n'es plus là. Because you are no more there. J'ai constaté que pendant tous les services que je lui ai demandé, pendant qu'il le faisait, while he was doing it, je n'étais pas là. I wasn't there. J'étais ivre de l'esprit. I was drunken of the spirit. Gloire de Dieu était dans ma chambre. Je and ne the sais glory pas. Of God was je in my room. C'est juste, c'est juste. J'ai tellement expérimenté ça. I experienced that a lot. J'ai ressenti que j'étais loin. And I felt that I j'étais was far. Ivre de l'esprit pendant qu'il le faisait. Drunken of the spirit. J'ai compris que si je ne serais pas revenu vite, and I realized that if I c'est come, possible, it's possible que j'aurais eu cette expérience. That I would have experienced what Elijah. Vous n'avez pas bien compris. C'est comme amen et comme le feu. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparant l'un de l'autre. That's et Élie monta au ciel with dans un tourbillon. Separated the two of them, and Elijah went up. Et la connaissance de l'Esprit de Dieu. Have the knowledge of the Spirit of God. Soyez rempli de l'Esprit de Dieu. Be filled of the Spirit of God. Soyez immergé dans l'Esprit de Dieu. Hold in the Spirit of God. Lève tes mains parlant de ta langue. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis immergé dans l'Esprit. Je ne suis pas ordinaire. Je refuse de mourir. Je refuse la pauvreté. Vous n'êtes pas de vous Verse 12.
Verset 12. Verse 12. La puissance de Dieu est très forte ici. Élisée regardait et criait, mon père, mon père. And Elijah Charles saw and he cried out, et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, so il les déchira en deux morceaux. And he took hold of his verset 13. And tore them into two pieces. Et il releva le manteau que lui avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. And went back and stood by the verset 14. Il prit le manteau que lui avait laissé tomber. Then he took et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de Pierre, Patrice, Caché? Oh, délire! Ah, j'ai cru que ce Dieu Pierre, le Dieu de Pierre Baptiste, ah, de Dieu de lui. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, et ça et là, et Élisée passa. Verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit de Pierre Patrice cache. Ah, Élie, Jésus repose sur Élisée. Yeah. Il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Yeah. Bow to the ground before him. Le manteau sera relâché. The mantle shall be released. Lève ta main là où tu es et dis, je reçois le manteau. Receive the mantle. L'esprit de mon est sur moi. Spirit of my father is upon me. Mets ta main sur ta tête et parle en d'autres langues. L'esprit de mon père est sur moi. Le manteau est sur moi. Je quitte ici avec le manteau. Mets la main sur ta tête. Lay your hands upon your head. Spirit of my père. Spirit of Kadalusha. It's upon me. Dites après moi, je ressens le manteau. Je ressens le manteau. Je ressens ça sur moi. Je ressens ça sur moi. Je vais fendre les eaux du Jourdain en deux. Quelle qu'en soit ta résistance, le manteau va te séparer en deux. Le manteau va me frayer le chemin. Ouvre ta bouche, parle en d'autres langues. Ouvre ta bouche, Oussa, Kama, Oura, Indaka, Yukusa, Adula, Baya. Rubala, Bossi, Alaba, Shuba, Alaba, Eze, Tolomosu, Adahayadoa. Rebala, Bossoubra, Adelo, Osha, Abba, Hupaya. Libra, Hale, Bossa, Adula, Bahuba, Hatahashiaya. Libra, Antolo, Boshi, Hayaba, Antolo, Hode, Hayaya. Libra, Osha, Abba, Ito, Mashadwa, Adwa, Shihaya. Libra, Osubra, Adamo, Shadamo, Sahadia. Libra, Osubra, Hadu, 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 quelque chose en train de se passer. Something is happening here. Quelque chose en train de se passer. Something is happening here. Il y a une notion très forte. Powerful anointing. Le vent. Oui, comment? Mon grec se nomme. Qui veut dire aide. Help. Aide. Help. Pour le ministère. For the ministry. La prospérité. For prosperity. Pour le miraculeux. Pour le surnaturel, vous allez faire les œuvres de Dieu. Dis ceux qui croiront en moi. Jean 14, 12.
John 14, 12. Ils feront les œuvres que je fais. Ils feront les plus grandes. Allez, faites des grandes œuvres. Allez, faites des grandes œuvres. Vous allez nous mettre sur les malades en guerre. Vous allez prier les pauvres. Vous allez relever les paralytiques. Vous allez prospérer. Vous allez gagner les âmes. Vous allez prêcher l'évangile. Je reçois. Asseyez-vous. Please take your seats. Donnez-moi Hébreux chapitre 11. Let me have Hebrews chapter 11. Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et je voudrais vous dire que cet ancien marche avec la foi. I want to tell you that this anointing works with faith. Si vous êtes oint, vous devez être très courageux. If you're anointed, you should be very courageous. L'onction impacte dans votre esprit l'audace. Anointing impacts in your spirit boldness. L'audace. Boldness. Soyez audacieux. Be bold. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de courage. You receive another spirit of fear. Timothée chapitre 1 verset 7. Verset 3. Verse 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. By faith we understand that the worlds were framed by the word of verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses souffrances, et c'est par elle qu'il parla encore quiconque croit que mort. Donnez-moi votre attention. Ça veut dire même le donner, c'est par la foi. Even giving is true faith. C'est pourquoi il faut respecter ceux qui donnent. So please respect. Quelqu'un qui parle en d'autres langues et dit qu'il a la foi, mais ne peut pas. Somebody ça veut dire qu'il n'avait pas la foi. Elle dit c'est par la foi. It's by faith. Que Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Verset 5. Excellent sacrifice. Verset 5. C'est par la foi que Noé fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, by et faith, qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car faith, avant Enoch, son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death. De la même manière que Élie, Enoch n'a pas vu la mort. In the same manner, like Elijah, Enoch did not see death. Enoch n'a pas vu la mort. Enoch did not experience death. Jusqu'au son de la trompette. At the sound of the trumpet. Les morts en Christ vont ressusciter. The dead in Christ will resurrect. Et nous qui serons vivants. And we will be alive. Nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. We'll go to the meeting of the Lord in the heaven. Donc c'est possible. So it's possible. Que tu attendes ce jour-là. That you are waiting for that day. Hey, personne ne dit amen. Nobody says amen. Personne ne dit amen. Lève tes mains, célèbre le Seigneur, célèbre. Célébrer le Lord. Arad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 a. Mandoro de Chande Aria Soho. Dites après moi, je suis oint. Say after me, I'm anointed. Je suis oint. I am anointed. Je suis rempli de la puissance de Dieu. I'm filled with the power of God. Je suis immortel par la vie de Dieu en moi. Immortal by the life of God. Je refuse de tomber. I refuse to fall. Je refuse la maladie. I refuse sick. Je refuse la pauvreté. I refuse poverty. Je refuse de mourir. I refuse to die. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'attends l'avènement du Seigneur. Waiting for the coming of pour aller le rencontrer dans les airs. We'll meet him in the air. J'attends l'avènement
venant du Seigneur. Parle en d'autres langues, parle en d'autres langues, parle en d'autres langues. Pendant cette longue vie et immortalité, during this long life and immortality, vous mangerez et vous serez rassasiés. Vous serez plus que vainqueur. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est votre foi. Les vivre longtemps, longtemps. You will live long, long. Manger les bonnes choses du pays, les bonnes fruits du pays. Amen. Et attendre l'avènement du Seigneur. Amen.